Bonjour à tous, c'est Trian et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, voilà, et j'ai vu que ils avaient sorti hier la Team Box de 2019, pardon. Et j'ai zioté un peu les cartes qu'il y avait et les packs qu'il y avait, et ça m'intéressait beaucoup parce que en ce moment je cherche des cartes pour compléter mon deck Peluche Malfroueur, et j'ai vu que beaucoup de cartes étaient dedans. Voilà, donc Team Box, comme je l'ai dit, sorti hier. À l'intérieur, il y a 5 cartes sur 14 prismatiques, voilà, donc c'est une petite série de 14 cartes, et 3 boosters Mega Pack 2019 qui regroupent 4 extensions. Alors je vous avoue, je ne sais plus lesquelles, je pense que je les mettrai en haut de la vidéo, enfin quelque part sur la vidéo pour mettre les noms. Voilà, donc bah, on va commencer. Ah oui, et dans chaque carte, dans les lots de 5 cartes, on est obligé d'avoir une réédition des bêtes légendaires. Enfin, des bêtes divines, pardon. Voilà. Voilà comment ça se compose. Voilà, donc les trois petits boosters. On met ça sur le côté. Voilà. Ah, putain! Donc voilà, donc le lot de 5 cartes. Bah, du coup, on sait que j'ai Exodia et les Mega Pack. Voilà, Sarcophage Doré 2019. Donc je mets ça sur le côté. Et c'est parti pour ouvrir les petites cartes. Hop. On va mettre ça à la poubelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors du coup, Exodia, le défenseur légendaire. Ça veut pas faire le focus. Fais le focus, s'il te plaît. Ok, donc Exodia, je suis désolé, ça veut pas faire le focus. Mana Oracle Palladium. Est-ce que tu peux faire le focus? Non, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Une très jolie carte. Elles sont très belles, hein, vraiment. Ah, Monster Reborn, c'est ce que je voulais, justement. Ça ne veut pas faire le focus. C'est chiant. Hop. Et le dragon Illédora. Ok, nickel. Bon, bah, je veux le dragon Illédora. C'est l'un des deux que je préfère. J'espère que j'aurai Slifer. Dans l'autre, parce que bon, Obélix c'est celui que j'aime le moins. Donc on va passer aux 3 méga packs. Voilà, bon, on va commencer à ouvrir un. Yeah, je vais défoncer le paquet. Je voulais le garder, mais c'est mort. Ah oui, chaque méga pack. Alors si je ne me trompe pas, contient 12 communes, une rare, une super rare, une ultra rare et une secrète rare. Alors, générateur charge Borel. Putain, attendez. Je veux que tu fasses le focus. Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît? Alors, générateur Borel, talon d'ogre Gouki, réveil de l'héritage du monde, Jorma combattant de feu, ok, réveil du dragon, conclave de cristal, oh nice, ça c'est bon ça, j'ai un petit. Une petite carte bête cristalline, ça c'est bon ça. Magicien Sivers. Exécuteur Revan de Terreur. Hop. Ah, voilà, une des cartes que je voulais. Dino Lutteur Pancras Ceratops. Voilà. Danger Chupacabra. Yep.
Donc ça c'est la ça c'est la secrète rare. Dino Capapterra. Dragon à cave. Dinohuteur Cystégosaure. Assaut air Mécarmure base Hercule. Réveil du vampire. De vampire, pardon. Raie blanche. Putain, j'en ai 16 ou quoi? Voilà, ok, on a fait le tour. Allez, deuxième booster. Voilà, là je l'ai mis ouvert. Hop là. Alors, égalité FA. Serrette fraîche Magidolls. Ah, je savais même pas qu'ils avaient sorti une link de Magidolls. Dauphinel Farstar. Dragon Borilé Mini. Union de la super équipe de la force des potes. Morel Noir Farstar. Centre Grenouille, ok. Ah, héritage du monde. Couronne du. Héritage du monde. Couronne du monde. Oh! Oui! Une des cartes que je voulais! Yes! Ah, Dragon Épée Borel! Putain, yes! Ça, c'est bon! Oh, et Rugidragon du Tonnerre, putain! Et moi qui voulais faire justement. Ah, c'est nickel ça, putain! Qui voulait faire aussi un deck Dragon du Tonnerre. Je suis servi. Plus Dragon Épée Borel. Yes, ça c'est bon! Nice! Sagittamagania. Marginal, pardon. Merce Fourrure. Ok. Pagaille Merce Fourrure. Ok. Transgalactique. Équipe 2 pour 1. Bloc-Nours. Salamandre. Salamandre Grande. Jacques Jaguir. Égalité FA. Et c'est bon. Je crois que c'était bon. On s'était arrêté là. Voilà. Et donc égalité FA. Je l'ai dit en deux fois. Tout va bien. Alors, je vais juste mettre les cartes sur le côté. Voilà. Putain, j'en ai marre de faire bouger cette putain de caméra. Ok, nice, c'est bon ça. Alors, Cosmo Cerveau. Emulatef Altergeist. Restauration des Monarques. Pixel Altergeist, pardon. Boycotton. Cauchemar de l'héritage du monde. Survivant de l'héritage du monde. Dragon Croisédia, pardon. Je sais pas lire. Duo Dragon Tonnerre. Nice, punaise. Je crois que je l'ai déjà en plus. Mais bon, c'est toujours, je l'ai quand une fois, donc c'est bon. Héritage du Calice. Donc la secrète. Chimère Diplex. Hop les. Dino. Oh, Dino Lutteur Roi T-Rex Lutte. Fléau Écarlate Vampire. Lutin tranchant, manche de coton. Alors celle-là, je les avais déjà jetées à part, mais bon, c'est pas grave, ça peut servir, on sait jamais. Au cas aussi, une autre pendule de ce type sort. Parce que du coup, pour l'instant, on n'a qu'un monstre pendule pour les fourroirs Peluchimal. C'est celle-là. Ascension de la Salamangrande. Ah, donc ça, c'est pour Magie de Rituel. Ok, nice. Ostinato. Ok. Et Cosmo Cerveau qu'on avait déjà vu. Ok, bon, bah on a eu un petit sarcophage très sympa et des tirages très sympas. On va passer au deuxième. Bah j'ai encore Exodia. Yes, merci. La chance. C'est faux. C'est pas de la chance. Enfin, de Exodia. Alors je sais qu'elle est pétée. Je vous mettrai, je pense, l'effet. Mais bon. Ça fait un peu chier de l'avoir deux fois la même. Sachant qu'il y en a 14. Donc je suis sûr d'en avoir 9 garanties pour l'instant.
Alors, Exodia, Néoplaneur du Kaiser. Moi, je voudrais bien, c'est. Putain, il y en a une. Elle est trop belle, je trouve. Niribu, LED primitif. Obélisque. Ok, bon, bah, malheureusement, je l'ai. Et Slifer. J'ai les trois dieux en deux paquets. Yes! Bon, bah voilà. Allez, c'est bon. Qui veut ma chance? Qui la veut? Il n'y a pas de souci, les gars, je vous la donne. Voilà. Bon, bah, Obélisque et Slifer. Nice. J'aurais bien voulu. C'était quoi? C'était Dragon Blanc alternatif. Ultime Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus. Donc mon fusion avec les trois dragons blancs aux yeux bleus, hein, bien évidemment. J'aurais bien voulu avoir celle-là parce que je la trouve magnifique. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. J'ai les trois dieux égyptiens. Enfin, les bêtes divines, pardon. Les trois bêtes divines. Donc voilà. Dont Exodia en double. C'est nice tout ça. Allez, on passe au méga pack. Hop, qui sont là. Voilà. Alors, on va. Bah, le paquet ne veut pas s'ouvrir, s'il vous plaît, monsieur. Ouvrez-vous, voilà. Ah, bon, bah, je l'ai niqué. Je vais me mettre sur le côté, parce que ça fait sale, je trouve. Voilà. Alors, Cyclone. On va arrêter de bouger la caméra. Cyclone Cybersal. Daruma, combattant du feu. Réveil de l'héritage du monde. Je crois que je l'ai déjà eu dans un autre booster. Arène Lumière Farstar. Mélange d'esprit de l'héritage du monde. Maître de cristal, malheureusement, je l'ai déjà acheté aussi. Yes. Trappe du réseau. Dragster de l'aube FA. Dino Luther, yes, nice. Bon, bah, ça, c'est bon. J'en ai deux, il m'en fallait deux, je crois, si je me trompe pas. Danger homme papillon, c'est bien parce que les dangers, enfin, j'en voulais quelques cartes aussi. J'en ai eu deux, bah, je dis pas non. Chimère Diplex qu'on a déjà eu. Dinoruteur, roi T-Rex, T-Rex lutte, pardon, qu'on a eu tout à l'heure. Fléau de vampire qu'on a eu tout à l'heure. Tranchant mangeur de coton qu'on a eu tout à l'heure. Et l'ascension. On l'a déjà vu. Enfin, là, c'était la première carte. Hop. Alors, Extreme Ring Gouki. Opératrice de sauvegarde. Gestionnaire de bouclier. Bouquet Farstar. Saut de lune Gouki. Effectivement, il y a beaucoup de Gouki dans ces putains de packs. Vainqueur FA, je crois qu'on l'a déjà vu. Kidolda Alterguest, yes. Grand vol. Putain, ça me fait chier parce que je voulais des links. J'en ai pas eu un. Je voulais la licorne. Ah bah tiens, il y a. Je voulais la licorne, le phénix et le cerbère. Mais laisse tomber, je crois que j'aurai pas dans le dernier pack. Danger Nessie. Ok, bon, bah, j'ai tous les Nessie. Assaut de l'air, As Ayate, ok. Entraînement, Merce Fourrure, toute situation. Rafale Champion, Merce Fourrure, ok. Oh putain, elle est très belle cette carte. Enfin, le monstre en question plutôt. Dino Lutte Mondiale, je l'ai déjà. Spatial Horloge, Spartiate Horloge. Spiritualiste des protocoles du tombon. Hurlordre. Mistruc, Entraînuring Gouki, Opératrice de sauvegarde. Ouais, bah non, en fait, je refais le tour. Je suis un con. J'ai une idée, les gars. Et si on refaisait un tour? Alors, allez, dernier booster, j'espère avoir au moins, parce que bon, j'ai eu qu'une carte, enfin deux cartes pendant ce temps qui m'intéressaient. Je voudrais bien avoir au moins une link. Ça serait bien. C'est parti. Pixel Altergeist qu'on a déjà eu, Garde de Cristal donc qui est la deuxième pendule de cristal, malheureusement que j'ai déjà. Chat à la montre, Prompto Corne, ok. Portal de contact, oh nice, une petite carte néospatienne. Je vais rapprocher une carte.
Oula, dévolien. Ah oui, je voulais. Ah non, mais Link Kuribo, il est pas dans ce truc, je crois. Chevalier noble sacré du Custonin le roi. Ok. Cyberdragon Hertz. Oh, un Cyberdragon, ça c'est cool. Ça. Très belle. Oh, Titan du haut dragon de tonnerre, je l'ai déjà. Ah, malheureusement, je l'ai déjà. Bon, je l'ai en double, hein, du coup, ça c'est bon. Mais je l'ai déjà, ça saoule. Et dragon fusiolaire aux yeux galactiques. Ah, je savais même pas qu'ils avaient sorti un Link yeux galactiques. Putain, il est très très belle. Hein. Donc c'est la secrète. Hein. Boss des protecteurs du tombeau. Super naturaliste des protecteurs du tombeau. D'accord, donc les petites cartes fusion. Protecteur des tombeaux. Dinohuteur, c'est pas... Oh, non, oula, Sapoé Raptor. Héritage du monde, baguette du monde, je l'ai déjà celle-là. Assaut de l'air, manœuvre, onde de brouillage. Spata croisée, déjà qu'on a vu tout à l'heure. Et Pixel Art, est-ce qu'elle est la dernière carte? Voilà, donc dans l'ensemble, je suis très content de ce tirage quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, hein, donc on peut voir les magnifiques cartes. Bon, je les passe vite fait. Très content, c'est bah, les trois bêtes sacrées dans les deux packs. Je suis très content, donc voilà. On peut voir Obélisque, Slifer et Rat. Ce qui n'est pas dégueulasse en deux, hein, quand même. Hein. Donc ça veut dire que j'ai eu de la chance d'avoir les deux d'un coup dans le dernier. Et le Dragon et Dora. D'ailleurs, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, elles sont signées, comme on peut le voir là. Voilà, on peut le voir qu'elles sont signées là également et ici. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce pack opening vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. À liker et à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de style. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Parce que je vois qu'en ce moment il y a plein de cartes qui va sortir. Donc vraiment voilà. Qui peuvent m'intéresser en plus. Bon, ben bah, voilà. Donc en tout cas, je me répète, mais j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant de nouvelles vidéos. Et on se dit à une prochaine fois. Bye tout le monde.